De Shizuoka dans le centre du pays. Retour en France avec la fête du cinéma jusqu'à demain soir. 4 euros la séance, vous vous demandez quel film allez voir. Ouais. Eh bien, Mathieu Charrier, notre spécialiste ciné, en a sélectionné 3 pour vous. Toute ressemblance n'est pas pure coïncidence lorsque vous découvrirez président d'Anne Fontaine. Jean Dujardin joue un certain Nicolas, ancien président, qui supporte mal l'arrêt de sa vie politique et qui, pour sauver la démocratie, décide de revenir, il se cherche un allié et se dit tiens tiens si je proposais à François, lui aussi ancien président, joué par Grégory Gadbois, réfugié dans sa Corrèze. Macron, ça vous fait plus rien La trahison, l'humiliation, tout ça Rien du tout. Pas ça. Président qui est une farce tendre et drôle qui évoque notamment la difficulté de lâcher le pouvoir. Deuxième conseil, Teddy, une histoire de loup-garou. Nous sommes dans les Pyrénées, un loup rôde et Teddy, gamin un peu paumé, se fait griffer une nuit par une bête étrange. Les semaines passant, il va être pris de pulsions animales. Enfin, troisième conseil, la fine fleur. Catherine Frojou, Eve, ancienne star du croisement de rose, sauf que son exploitation est au bord de la faillite et son assistante recrute trois employés en réinsertion. Ça coûte moins cher. Pourquoi on se fait chier avec des rosiers là Il y a des cerfs partout, on a juste à faire pousser de la bœille, c'est bon euh, non, on va rester sur les roses. <laughs> Ensemble, ils vont tenter de sauver la roseraie d'Ève. Certes, la fine fleur est un peu cousue de fil blanc, mais c'est un film qui fait du bien. On est au milieu de ces cultures de roses que l'on sent jusque dans notre fauteuil de cinéma. Voilà pour la sélection de Mathieu Charrier, la fête du cinéma, c'est jusqu'à...